Bon. Et en parlant de gros sous d'ailleurs, on a appris ce que gagnait Kylian Mbappé par post Instagram. C'est démentiel. Pour le moment, notre Kylian national est payé 22,92 millions d'euros bruts par an à Paris. Oui, brut. Parce que tu te doutes bien que derrière, il y a les impôts qui passent et qui font rah au salaire de Kylian. Ah oui, c'est quelque chose de fou. Dans ce salaire, t'as une prime d'éthique à 260 000 balles pour arriver à l'heure le matin. Pas mal. Et les frais, tout ça, 30 000 euros, c'est tout pris en charge. Conciergerie, loyer, tout ça. Tranquille. Ah oui, et puis il y a une prime de 1,1 million d'euros s'il remporte le ballon d'or. Ouais. Mais le plus ouf là-dedans, c'est ce qu'il gagne par post Insta sponsorisé. 195 000 euros. Pour faire une photo avec un grippin, hein, le mec prend 200K. La soupe est bonne quand même. Hein. Et pour comparer, par exemple, Neymar lui prend 671 000 euros par poste sponsorisé. Et Cristiano, je t'en parle même pas, je crois qu'on est proche du million. En tout, du coup, à côté de son salaire, Kylian fait 20 millions et il a un plan pour tripler tout ça. Signé au Real. Non. Non. Mais oui, mais non. Bref, il a donné son image à une société hongkongaise et en gros, par un montage financier que je vais t'épargner, ça pourrait lui rapporter le triple, 60 millions d'euros, comme ça. De quoi payer aussi un beau cadeau peut-être aux 5 joueurs que le Real veut virer pour accueillir Kylian, car on a appris ça récemment. Selon Sport, le Real a besoin de 130 millions d'euros pour payer la prime à la signature de Kylian. Oui, la daronne, elle est à l'abri hein, du côté des Mbappé. Et ça va dégraisser à grands coups de adios hermanos, les amis. Alors, les nominés pour se faire virer du Real sont Eden Hazard, Luka Jovic, Isco, Gareth Bale et Marcelo. Ciao les potes. Au revoir.